Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder dans la dernière version de Maya, la version 2017, les possibilités du render setup couplé avec le nouveau moteur de rendu implémenté dans cette version qui est Arnold. Et donc il va permettre de pouvoir personnaliser donc ces passes de rendu, ces render layers précisément, donc avec le nouveau panneau du render setup qui a été mis en place depuis la version 2016 que l'on retrouve ici. Donc render setup, on peut cliquer donc sur l'onglet ici, donc oops, voilà celui-ci, donc à côté c'est l'hypershade et on a le panneau render setup divisé en deux avec une partie render setup, une partie property editor ici. Et puis on a donc ici ouvert le panneau Arnold Render View. Alors le panneau Arnold Render View se trouve éventuellement ici, donc dans le menu, on peut le trouver ailleurs, mais Arnold Render View qui vient donc remplacer éventuellement, si on utilise donc le moteur par défaut Arnold maintenant dans la version 2017, qui vient remplacer le Render View de Maya. Si on utilise encore une fois le moteur de rendu ici Arnold, et ça va nous permettre donc d'apporter éventuellement des corrections avec le color management ici sur le display setting sur le côté, de pouvoir donc voir les différentes composantes de l'image donc en RGB et alpha bien entendu, et puis de voir les différentes AOV, donc les différentes passes pour employer un terme plus commun de rendu ici, donc par exemple la direct diffuse, la direct spéculaire et ainsi de suite que l'on va pouvoir, et comme des passes techniques aussi, donc la Z c'est la seule que l'on peut avoir, on peut pas voir en direct, hein, il faut la voir donc dans un logiciel comme Nuke en apportant une correction puisqu'on n'a pas une valeur comprise entre 0 et 1, le Z ici n'est pas normalisé. Donc on va pouvoir par exemple avoir donc P, donc la point pass ici, et puis donc l'idée, la passe de l'idée, et puis on retrouve la beauty ici. Ok, donc ça, les passes, les AOV, pour employer une terminologie donc d'Arnold, on va les retrouver donc dans le render setting d'Arnold, dans AOV ici, et on va venir donc sur AI standard si on utilise donc un shader standard, ce qui est le cas ici de mon robot. Le matériau le plus utilisé ici de Arnold, c'est le AI standard. Et on va retrouver donc les différentes passes, celles qui sont déjà actives, les AOV actives, et puis celles qui peuvent être activées, donc il nous en reste encore. Les réfractions, bon, ici on n'a pas de réfraction, de SSS non plus, d'émission non plus pour l'instant. On pourra faire une émission au niveau des antennes donc de notre robot ici, on pourra le voir. Et on a l'ensemble des différentes passes qui sont ici listées en dessous. On peut les refermer, rouvrir ici l'ensemble de la liste. Alors ici dans Build It, le premier, on a les passes donc de technique. Et donc par exemple, si on veut rajouter celle-ci qui est relativement importante, qui est la passe de normalisation, je vais double-cliquer dessus. Elle va apparaître ici, N. Donc c'est en vector RGB. Et on va avoir donc à ce moment-là la passe normale, la normal passe que l'on va pouvoir utiliser par exemple avec la P.Pass pour dans Nuke faire du relighting 2.5 par exemple, de manière assez simple en termes de sortie de passe et de pouvoir les récupérer bien sûr au format EXR dans Nuke. Ça, on l'a vu dans d'autres tutoriels avec d'autres moteurs de rendu, c'est exactement le même travail dans Arnold au niveau de Nuke. Ici on retrouve donc N, voilà ici donc la normal passe, et puis donc comme je l'indiquais, la point passe que j'avais déjà montré. Ok, donc on va pouvoir, si l'on veut, donc personnaliser un peu nos passes de rendu, nos layers de rendu exactement, nos rendus, faire des render layers plus précisément. Donc voilà la scène ici, très simple pour la décrire. Donc on a ici donc un sol, un environnement. Donc on a créé un Arnold Sky Dome Light ici, sur lequel on a mis une image HDR très classique, donc ici de décor de ciel, hein. Et on a fait correspondre donc une lumière directe ici qui correspond un peu à la position de la source lumineuse donc
de l'ensemble ici du ciel, avec une coloration légèrement jaune, un peu ici, un peu plus, voilà, ok. Ici, on a posé une caméra. Donc, on a laissé les paramètres par défaut. On reviendra sur les paramètres et de lumière et de caméra et sur les lumières propres à Arnold aussi, hein, comme les lumières rectangulaires ou qui sont très intéressantes ici. Donc, on va avoir la possibilité de pouvoir créer, par exemple, une passe d'environnement. C'est-à-dire qu'on veut avoir la luminosité, la couleur donc du ciel environnant qui travaille au niveau donc de notre scène et principalement au niveau du robot et du sol éventuellement. Donc on va pouvoir construire ce layer-là qu'on a fait ici déjà et on va pouvoir l'activer en cliquant ici sur donc l'œil pour le voir donc dans le Arnold Render View ici qu'on va récupérer. Ok, que l'on a donc ici. Et voilà, donc on a ici réalisé plusieurs choses, plusieurs overrides, notamment donc sur la collection 1, on a créé donc un shader pour l'ensemble des objets, un shader Lambert de base. Donc tous les objets, le sol et le robot ont le même shader Lambert. Et on va appliquer donc avec une collection 2, sous collection 3 et 4 ici, donc des modifications ici donc. On va overrider l'intensité donc de la lumière directe en la mettant à 0 ici et de l'intensité ensuite donc du ciel environnant. Donc ici, si par exemple j'augmente l'intensité, on voit que l'intensité va augmenter ici. Voilà, ok, ici en rendu temps réel. Et puis on a décoché, on peut décocher ou cocher les ombres pour obtenir vraiment juste une coloration sans que on ait des ombres qui interviennent. Ici, cast shadow, ici, on peut le remettre pour avoir une sorte de passe d'occlusion en fait, ici avec l'environnement, ce qui peut être intéressant à venir donc compositer avec la passe de lumière directe. Alors justement, pour montrer le fonctionnement donc du render setup, on va construire cette passe de lumière directe ici. Donc je ferme le layer. Donc on va construire un nouveau layer, on clique sur plus ici. Donc ici on repart, rendu, donc on va mettre rendu ou directement lume direct, donc lume direct. Ok, voilà, rendu lume direct ici. Et puis on va donc créer des collections. Alors la première collection qu'on va créer, Create Collection ici, on va venir mettre donc les objets. Object. Donc pour ça, bien, on va avoir le outliner. Ici, voilà, oops. Et on va venir chercher donc le plane et dans le boat le robot, le mesh, le plane. Ok, bouton du milieu de la souris et on vient déposer ici. Donc ils sont dans le layer maintenant. Ok, donc si on veut l'activer, eh bien on va cliquer sur le layer, on va avoir une reconstruction et le rendu qui va se mettre en place. Donc pour l'instant, rien de différent, puisqu'on a repris donc nos objets avec les lumières par défaut. Ok, et puis donc on va venir créer donc une deuxième collection, Create Collection ici, donc DOM de lumière. On va venir donc mettre le DOM de lumière. Okay. Donc, hops, ici. Donc dans le transform display shape, on a donc le dôme de lumière iSky dôme light et donc on va prendre transform, on va le déposer drag and drop, le bouton du milieu de la souris ici et puis on va venir donc dans les paramètres du dôme ici, on a l'intensité. Et on va venir donc venir intensité déposer juste en dessous add override absolute et on lâche ici donc dome light ici absolute intensité et on va le mettre donc à 0. Ce qui fait que maintenant on va récupérer le dome light étant à 0, on n'a plus l'environnement,
la lumière environnementale, et on voit bien qu'on n'a plus que la lumière directe, ici avec une ombre très dure et une lumière plutôt dure ici, qui s'est construite ici. Alors pour finaliser donc cette passe-là, qui va venir être complétée par la passe au-dessus de rendu environnement, hein, si on veut maîtriser un peu donc ensuite le compositing, eh bien on pourra très bien donc venir créer donc une nouvelle collection, donc Lume Direct, éventuellement pour venir maîtriser l'intensité de la lumière, si de la lumière directe ici. Donc ici on va faire drag and drop de la lumière directe, ok. Et puis on va venir donc prendre l'intensité ici et avoir donc l'intensité. Alors voilà, donc maintenant on peut maîtriser au moins l'intensité. On pourra maîtriser les autres paramètres, bien entendu, la couleur, et ainsi de suite, si on veut augmenter, voilà, avoir une intensité plus forte pour ce render layer et sortir cette image-là, ce render layer-là, pour venir le compositer donc, ensuite dans Nuke par exemple. Donc on voit qu'avec le render setup et le moteur de rendu Arnold, c'est assez simple de pouvoir reconstruire donc ses propres render layers, ses propres passes de rendu ici. Ici on vient de construire la lumière directe. On a vu qu'on avait donc on reclique sur l'œil ici la lumière donc on va dire environnementale. Ici avec l'ombre, les ombres ou sans les ombres, et ces deux éléments vont pouvoir servir de base de compositing avec éventuellement donc les autres passes que l'on pourrait récupérer directement les AOV donc ici. Donc si on revient sur le rendu lumière directe, hop, je reclique donc sur l'œil, voilà, ok, ça se met à jour rapidement ici. Bien entendu, ici on n'a pas vu tous les paramètres donc de sampling, de travail donc de précision sur la lumière. On voit qu'on a du grain hein, ici, donc de définition de la lumière en tant qu'échantillonnage, et ainsi de suite. Et puis en termes de qualité de rendu aussi, bien entendu, on le verra dans un prochain tutoriel ici. Alors donc avec la beauty, donc on a la direct diffuse, donc là c'est vraiment la lumière directe diffuse. La directe spéculaire ici, donc on a les spéculaires donc directs de la lumière directe, l'indirect diffuse en retour, l'indirect spéculaire donc avec quelques ici éléments, voilà principalement donc, et les réflexions ici que l'on a donc sur le robot principalement. Ok, donc voilà les différentes possibilités rapidement vues ici, donc en venant combiner le render setup pour obtenir donc des render layers personnalisés pour pouvoir avoir un compositing ensuite précis dans Nuke, plus bien sûr les AOV donc de Arnold que l'on peut bien entendu récupérer. Alors tout ça se récupérera au format EXR. Tous les AOV donc seront dans le même format EXR. On verra la prochaine fois comment on fait cela. Et puis on aura les différents render layers, donc rendu environnement, rendu lumière directe. Chacune aura donc son point EXR contenant ou pas donc les AOV à l'intérieur.